Voilà, bonjour. Connectons-nous massivement, s'il vous plaît, et partageons la vidéo. Thank you, Father. Voilà. Bienvenue. Bonjour à vous. Bonne journée à chacun de vous. Bon début de journée. Voilà. On est à 10h déjà. Et nous rendons grâce au Seigneur Jésus qui nous accorde cette opportunité d'être là ce matin en direct encore pour cette spéciale émission. Pendant que tu te connectes, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce en abondance, qu'il renverse les forteresses de l'ennemi établi contre ta vie et ta maison, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, c'est une belle occasion pour nous de nous retrouver encore ce matin. Et connectons-nous massivement, s'il vous plaît, nous allons donner le temps et l'opportunité à nos bien-aimés de nous rejoindre sur cette plateforme, de partager la vidéo dans tes groupes. Partage-la avec tes amis et nous allons aborder un sujet très important dans la vie du croyant. Donc voilà. Seigneur, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour l'opportunité de ce matin. Merci pour la faveur d'être là avec les bien-aimés, Seigneur, pour partager ces moments chaleureux dans ta présence. Je prie pour chacun de mes frères et sœurs, Seigneur, que ton esprit nous remplisse et nous emplisse de ta présence. Seigneur, accorde-nous la sagesse et l'intelligence pour comprendre les Saintes Écritures et affermis nos cœurs dans tes voies.
Au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous allons prier que le Seigneur anéantisse les œuvres de Satan établies contre nos vies, tout projet de l'ennemi contre nos vies. Demandons au Seigneur la grâce et la force de vaincre ces forteresses. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Père, toute forteresse contre nos vies, nous la renversons. Seigneur, nous la bannissons, la détruisons. Et nous demandons que ta grâce, une grâce excellente, repose sur nous. Seigneur, béni soit ton nom. Donne-nous la victoire dans nos batailles. Merci Seigneur, parce que ton nom est une tour fortifiée pour nous. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Connectons-nous s'il vous plaît, partageons la vidéo. Donne-moi un instant. Juste un petit instant. Ok. Voilà. Gloire à Dieu. Une minute, s'il vous plaît. Je vais. La caméra va déranger un peu. Ok. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, nous bénissons le Seigneur pour cette occasion. Comme je le disais, que sa grâce qui surpasse l'eau et l'argent soit ton partage. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de Jésus. Bonjour à tous ceux qui sont là pour la première fois. Et nous sommes en train de nous battre, par la grâce du Seigneur, à finir ce que nous avons commencé en, je crois que c'était en fin d'année passée. Ça fait environ un an. Nous glorifions le nom du Seigneur. Bonne arrivée à tous ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue sur notre plateforme. Que la main de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous accorde au-delà des désirs de votre cœur au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous sommes en train d'achever cette année et je vous souhaite le meilleur à chacun de vous, à chacune de vos familles. Je vous souhaite de terminer cette année dans la gloire du Seigneur Jésus. Je vous souhaite cette année de connaître les meilleures expériences de votre vie au nom souverain de Jésus. Que Dieu m'entende et m'exauce à votre sujet. Je prie que ce mois de novembre et de décembre vous apporte plus de bonheur que vous n'avez connu de déception, de malheur, de maladie depuis le début de cette année. Que le Seigneur vous supprime en ces deux mois, qu'il répare ce que vos ennemis ont gâté. Ce que le diable a détruit dans votre vie. Que le Seigneur vous fraye un chemin dans le désert. Oui, que le Seigneur vous accorde une porte d'ouverture pour vous accorder une grâce excellente en cette fin d'année, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous fasse connaître une joie si grande que vous n'en avez pas connue depuis le début de cette année, en ce mois de novembre et en ce mois de décembre. Que l'Éternel nettoie les larmes de vos yeux. Que l'Éternel vous apporte une grande consolation. Que l'Éternel mette devant vous une grande porte ouverte d'un très grand accès. Donc c'est ça ma prière pour vous. Dans vos affaires, dans vos projets, dans votre lieu de service, dans votre famille, dans votre mariage, dans votre ministère, je prie que la gloire du Christ ressuscité vous précède en tout, qui vous donne une bonne santé. Pour ceux qui sont malades, je prie que la santé divine vous soit donné, que le Seigneur vous guérisse, quelle que soit la maladie, quelle que soit la cause de cette maladie, quelle que soit la gravité de cette maladie. Dans tous les cas, que tout dessein de l'ennemi visant à écourter votre vie soit anathème. Que Dieu annule ses décrets contre vous, au nom souverain de Jésus-Christ, et que les décrets de Dieu pour vous puissent être accomplis. Je prie que l'ennemi ne se réjouisse pas à votre sujet en cette fin d'année. Mais que l'Éternel soit votre gloire, qu'il mette sur votre tête une couronne de gloire, un diadème de gloire et de distinction qui vous accompagnera partout où vous irez. Dans tous les cas, les anges du Seigneur sont avec vous et que ces anges vous préservent du mal dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ce mois, nous avons de très très grands rendez-vous
Vous le savez, nous avons une grande conférence avec les hommes de Dieu à Douala et à Yaoundé. Ça sera des moments très exceptionnels, très, très exceptionnels. Et je vous convie à ne pas manquer à ces grands rendez-vous. Vous êtes un homme de Dieu, vous êtes un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, ou bien vous êtes ouvrier, ou vous sentez la vocation de Dieu pour vous. Ne manquez pas à ces grands séminaires des hommes de Dieu du côté de Yaoundé, du côté de Douala. Nous allons partager avec vous les mystères des sciences du ministère. Donc, vous savez, pour moi, les conférences des hommes de Dieu, c'est une occasion solennelle et unique pour partager c'est-à-dire, pour revenir sur les secrets des sciences, les mystères des sciences du ministère. Vous savez, et pour cela, je vous demande déjà de beaucoup prier, que ce soit du côté de Yaoundé ou bien de Douala, de beaucoup prier, parce que vous savez que pendant les séminaires des hommes de Dieu, j'aborde des sujets difficiles, parce que je considère que c'est avec des hommes de Dieu, des personnes matures, des femmes matures, des hommes matures que je suis en train d'interagir. Et en cette fin d'année, ce sera une occasion unique et spéciale pour chacun de vous et chacun de nous, moi aussi y compris, pour mieux préparer la fin d'année, surtout l'année 2022. Comment posséder l'année 2022, comment avoir du succès dans l'année 2022. Parce qu'il y a tellement de questions que plusieurs se posent par rapport au ministère, vous voyez. Et donc, nous allons partager ces moments spéciaux, ces moments de gloire avec tous les hommes de Dieu et tous les servants de l'Éternel qui seront présents. À Yaoundé, ce sera à la Bire, et à Douala, ce sera en Dogbon, derrière l'immeuble Kamlet, dans notre salle là-bas. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous vous préparez à venir à ces deux grandes rencontres, je sais que Dieu vous bénira. Du côté de Douala, la semaine prochaine, nous aurons quatre jours de déchirement du voile de la honte dans nos vies, dans nos familles. Et nous prions que le Seigneur touche votre cœur à tous les habitants de Douala et ses environs, de ne pas manquer cela, parce que vous savez que c'est l'entame du mois de novembre. Et Douala est béni de savoir que c'est par vous que ces programmes prophétiques vont commencer, vont débuter. Donc que la main de Dieu soit sur vous, que sa grâce soit sur vous et que tous les habitants de Douala se mobilisent comme un seul homme pour ne pas manquer à ce grand rendez-vous. Pendant que vous le faites, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Que la main de Dieu soit sur vous au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Ce sera un mois exceptionnel, un mois de grâce, un mois de bénédiction et je sais que Dieu nous surprendra au plus haut niveau. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà. Maintenant, nous allons aborder le sujet du jour. Nous bénissons le Seigneur parce que après quelques années d'errance, le Seigneur a permis que nous bâtissions une maison où son peuple devrait venir pour l'adorer. Nous bénissons le Seigneur Dieu pour la Bire. Et je veux bénir Dieu spécialement et dire merci spécial pour tous ceux qui dans le monde entier se sont mobilisés à bâtir la maison de Dieu, qui ont contribué à l'époque, pour ceux qui ont contribué aussi pour les carreaux et qui se sont démarqués pour eux et pour leur famille. Que Dieu vous exauce, que Dieu vous bénisse abondamment cette fin d'année. Dans tous les cas, l'homme peut être ingrat et l'homme est ingrat, c'est notre nature. Tu peux me faire du bien, mais j'oublie facilement le bien qu'on m'a fait et je retiens plus facilement le mal qu'on m'a fait. Vous voyez, c'est ça un peu l'homme. Mais la Bible dit que Dieu n'oublie pas un bienfait. Voilà pourquoi dans Proverbes, la Bible dira « Jette ton pain à la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. » Donc, il y a une énigme en cela. Vous savez que quand tu jettes le pain à la surface des eaux, les vagues s'en vont avec ton pain. Tu le perds en fait pour un temps. Mais lorsque les vagues reviendront avec ton pain. Et parfois, c'est en des saisons de disette que les vagues ramènent ton pain. Ça veut dire que Dieu se souvient toujours de nos offrandes et Dieu réagit toujours aux offrandes de son peuple. Donc, quelque chose que tu fais pour la maison de Dieu, quelque chose que tu fais pour l'œuvre de Dieu, quelque chose que tu fais pour un homme de Dieu, ou bien pour un bien-aimé, ou bien pour un inconnu, ce n'est jamais une offrande perdue. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Ouais. Donc, on peut dire que, vous savez, quand tu prêtes quelque chose à quelqu'un, la personne doit te rembourser, elle se doit de te rembourser. C'est comme ça. Une action de justice, un bienfait, une sémence, une offrande, c'est un prêt à Dieu. Et Dieu se doit de réagir au temps convenable. Et il est important de savoir que dans la dialectique de l'eau et du pain, la Bible voudrait simplement nous enseigner que
Parfois, il y a des offrandes que nous faisons pour Dieu, des semences que nous faisons, que nous donnons, mais on n'a pas de résultats immédiatement. Ou bien les résultats ne viennent pas comme nous les attendions, ou au moment où nous les attendions. Parce que Dieu connaît le meilleur moment pour retourner ton action de justice en ta faveur. Le plus souvent, c'est dans des moments inattendus, des moments de grands besoins, des moments où nous avons besoin du secours de Dieu. Parfois, des moments où nos vies sont en danger, c'est là que Dieu se souvient de notre acte de justice et puis il réagit par rapport à ce que nous avons fait comme sacrifice pour lui ou bien pour son œuvre ou bien pour sa maison. Alors, je voudrais parler de la bonne volonté. Je veux parler de la bonne volonté ou bien de la bonne disposition volanistique. Donc, je parle de la bonne volonté ou bien des prédispositions volanistiques. Ça veut dire, volanistique, c'est l'adjectif qualificatif qui vient de volonté ou bien de volontaire. Donc, la bonne volonté, on ne peut pas servir Dieu sans la bonne volonté. Mais lorsque Dieu nous appelle, pour que j'accepte l'appel de Dieu dans ma vie, il faut que j'ai la bonne volonté. À propos de cette bonne volonté, l'apôtre Paul a dit, la bonne volonté, lorsqu'elle existe, existe en raison de ce qu'elle a et non de ce qu'elle n'a pas. Donc, vous voyez, il faut la bonne volonté, même pour accepter l'appel de Dieu, il faut la bonne volonté. Pour aller servir Dieu, aller au combat, il faut la bonne volonté. Pour être un bienfaiteur, il faut la bonne volonté. Pour être un homme de Dieu, il faut la bonne volonté. Pour être une bonne épouse, il faut la bonne volonté. Pour être un bon mari, il faut la bonne volonté. Pour être un bon élève, il faut la bonne volonté. Pour être un bon homme de Dieu, il faut la bonne volonté. Pour être un bon homme d'affaires, il faut la bonne volonté. Pour être une bonne commerçante, il faut la bonne volonté. Pour bien préparer, il faut la bonne volonté. Pour apprendre dans la vie, il faut la bonne volonté. Dans tous les cas, vous trouverez qu'au succès est rattaché la bonne volonté. Personne ne peut réussir sans la bonne volonté. Il n'y a aucun exploit que l'on puisse faire, même dans les générations passées, comme dans les générations présentes, la génération présente et dans la génération à venir. Personne ne peut faire de prouesses s'il n'a pas la bonne volonté. La bonne volonté, lorsqu'elle manque, il n'y a pas de succès. La conséquence directe, c'est qu'il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de réussite. Et en plus, il n'y a pas de réussite sans la bonne volonté. Ce qui manque à beaucoup de personnes, c'est la bonne volonté. Pour devenir héros, quand vous regardez l'histoire des héros, s'il faut ressasser l'histoire des héros, vous trouverez que tous ceux qui ont marqué leur temps, c'est la bonne volonté qui a été la base de leur réussite et de leur succès. Vous ne pouvez rien faire si ce n'est pas la bonne volonté. Supposons que dans votre foyer, votre mariage est en train de battre de l'aile ou bien vous êtes en train de perdre votre conjoint. Pour le gagner, pour sauver votre foyer, il faut mettre un bon paquet de bonne volonté. C'est la même chose pour l'œuvre de Dieu. Vous verrez que parfois à l'église, lorsqu'on lance une quête, lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'on a besoin de la mobilisation du peuple de Dieu, ceux qui se lèvent, c'est ceux qui ont la bonne volonté. Il faut avoir la bonne volonté pour réagir. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas la bonne volonté, il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation sans bonne volonté. Pour avoir la motivation, il faut avoir la bonne volonté à la base. Or, la bonne volonté donne naissance à la motivation. Vous voyez, sans motivation, personne ne peut se lever pour marquer un pas. C'est important de le savoir. Donc, on marque un pas dans la vie, dans tous les domaines de la vie. Il faut avoir la bonne volonté qui va engendrer la motivation et la motivation qui va engendrer l'action. Il n'y a pas d'action sans motivation, il n'y a pas de motivation sans bonne volonté. Donc, et il faut aussi comprendre une chose, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il est important que chacun de nous puisse examiner pour voir s'il a la bonne volonté vis-à-vis de Dieu. Sans bonne volonté, on ne peut rien faire dans la maison de Dieu, même pas pour soi-même, même pas pour sa propre famille, même pas pour sa propre vie. Quand il n'y a pas la volonté, il n'y a pas de motivation. Quand il n'y a pas de motivation, il n'y a pas d'esprit de sacrifice. Parce que c'est la motivation qui vous pousse à vous sacrifier. Quand vous voyez quelqu'un faire des sacrifices, c'est qu'à la base, il y a eu la bonne volonté. Après cela, il y a eu la bonne motivation. Il a une bonne motivation qui lui donne les bonnes raisons pour se sacrifier. Donc, tant qu'il n'y a pas de bonne volonté, la motivation, il n'y a pas de sacrifice. Donc, on ne peut pas, même lorsque vous avez des problèmes personnels, si vous n'avez pas la bonne volonté, vous ne sortirez pas de vos problèmes. Si vous n'avez pas la bonne volonté qui vous donne la motivation, vous ne poserez pas des actes qui vous permettront de résoudre votre problème. C'est important de le savoir. Donc, la bonne volonté est une magie.
que beaucoup de personnes ne comprennent pas encore. Dans ce que nous faisons, dans la vie, dans chaque domaine, dans chaque champ de prédilection où nous nous retrouvons, nous devons savoir que la clé du succès, c'est la bonne volonté. C'est important de le savoir, la bonne volonté. Il y a certaines personnes qui pensent qu'il faut pratiquer la magie pour avoir certains résultats. Non, la véritable magie, c'est la bonne volonté, mes amis. La véritable magie, c'est la bonne volonté qui produit en vous la motivation. La motivation qui vous permet de prendre des résolutions et des actes concrets, des actes parfois en face des montagnes qui, sans bonne volonté, vous écraseraient. Celui qui a la bonne volonté, rien ne peut lui résister. Celui qui a la bonne volonté ne recule devant rien. Celui qui a la bonne volonté résiste aux montagnes les plus farouches de sa vie. Vous voyez, je vais vous raconter une histoire pour vous illustrer un peu ce que c'est que la bonne volonté. À l'époque, je nageais encore très bien. Je me souviens que quand j'étais en Allemagne pour la dernière fois, je suis allé, il y avait à l'hôtel au toit, il y avait une piscine privée. Et donc, j'étais allé là, j'étais tout seul et j'ai essayé de nager. Et j'avais dans mon esprit le réflexe du passé. Je me disais que comme je traversais les lacs en nageant, et parfois on arrivait au milieu d'un lac et on plongeait jusqu'au fond pour ramasser la boue, on faisait ce concours-là, et que je réussissais à être parmi les champions. Et donc dans cette piscine, je me disais que mon corps répondait encore à la même discipline, à la même flexibilité que lorsque j'étais encore plus jeune. Alors j'ai plongé dans la piscine et j'ai tout fait de me rendre compte qu'en fait, j'avais perdu le réflexe. Vous voyez, j'avais perdu le réflexe. Et donc, j'ai failli me noyer. Mais le Seigneur m'en a délivré. Alors, qu'est-ce que je veux dire? À l'époque, j'étais encore plus jeune et je nageais très bien. Alors, j'avais engagé de traverser le plus grand lac de Tibati. Et j'étais en train de nager pour traverser le lac. Quand je suis arrivé au milieu du lac, où le lac était le plus profond, j'ai senti les forces me quitter. J'ai senti les forces m'abandonner. Et donc, j'ai senti que j'allais mourir. Et je savais que j'allais mourir. Ça, j'étais convaincu que je mourrais. J'étais tout seul. Mais s'il fallait que quelqu'un puisse me secourir de l'autre côté de la rive, le temps d'arriver, je serais déjà mort. Je me serais noyé en réalité. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En ce moment, Dieu m'envoie du secours. Il m'envoie du secours qui va me motiver à la bonne volonté. Et ce secours, c'est quoi? Pendant que j'étais sur le point de me noyer, je me suis retourné et j'ai vu un serpent qui était en train de venir à ma direction. Quand j'ai vu le serpent, immédiatement, mon instinct de survie a surgi du fond de moi-même. La bonne volonté est venue en moi. La motivation est née en moi. J'ai repris les forces. J'ai oublié que j'étais fatigué. J'ai oublié que j'étais en train de me noyer. J'ai oublié qu'en fait, j'étais en train de penser à mes parents. J'étais en train de dire adieu à ma famille dans mon cœur. Immédiatement, je me suis mis à nager plus leste, plus malléable qu'au début. Un peu comme si je n'avais jamais ressenti une fatigue. Plus le serpent s'approchait, rapide j'étais. Et voilà comment je suis arrivé à la rive. Or, s'il n'y avait pas eu ce serpent, je serais mort. Vous voyez. Beaucoup de personnes dans la vie meurent parce qu'elles manquent la bonne volonté et elles manquent de motivation. Ce serpent m'a sauvé la vie sans le savoir. Donc, il faut comprendre que c'est important, bien-aimé. On ne peut pas servir Dieu sans la bonne volonté. On ne peut pas réussir dans la vie sans la bonne volonté. En tout cas, sans la bonne volonté, vous êtes foutus. Tout simplement. Alors, Dieu nous a accordé la grâce l'année passée à bâtir son église, sa maison, dans un laps de 3 mois. Ça, c'était le fruit de la bonne volonté. Il y a eu une grande motivation. C'était pendant la COVID. Nous avons bâti la maison de Dieu. Nous l'avons fait en un laps de temps. Et après cela, malheureusement, depuis le départ de Momi Shalom et Kane vers le Seigneur, rien n'a été fait parce que depuis ce temps-là, j'étais un peu en hibernation. Et on a mener aucun projet de l'église. Donc, il y a de cela, je pense, une semaine que le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir me relever et de pouvoir regarder le besoin énorme qu'il y avait pour sa maison. Et donc, nous avons relancé les chantiers. Et mon objectif, vous me connaissez. En fait,
Personnellement, je suis le genre de personne qui ne perd pas courage. Parce que j'ai compris la puissance, la bonne volonté. Ça, pour moi, c'est un peu ça. Ça fait partie de mes secrets, en fait. Dans la vie, il ne faut pas se décourager. Dans la vie, il ne faut jamais se... Ça dit qu'il ne faut jamais oublier de regarder en soi, de puiser en soi sa force pour regarder à ses montagnes. Non, ne regarde pas la montagne. Mais regarde les capacités spirituelles et surnaturelles que Dieu a investies en toi. C'est bon de regarder l'investissement de Dieu en toi. Ne regarde pas la montagne. Regarde l'investissement de Dieu en toi et va. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Par exemple, lorsque vous voulez construire une maison, qu'est-ce que vous faites? On vous apporte le devis. On vous dit, ok, votre maison, si, il vous faut 500 millions de francs CFA. C'est un exemple. Et en fait, vous n'avez que 100 000 francs d'épargne. Vous voyez. À regarder le plan que l'architecte vous présente et à regarder les épargnes que vous avez, vous n'aurez jamais de bonne volonté ni de motivation pour commencer à construire votre maison. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Alors, moi, voici comment je fonctionne. Je ne regarde pas les 500 millions de plans architecturaux qui m'ont été donnés. Non, je ne regarde pas ça. Je commence. Parce que celui qui commence par la foi achèvera toujours. Je commence d'abord. Commencez d'abord. Il faut commencer. N'attendez pas posséder toute la terre pour commencer vos projets. Non. Moi, je commence par la foi et je n'ai jamais commencé sans achever. Je n'ai aucune œuvre que j'ai commencé dans ma vie sans l'achever. Je commence par la foi et j'arrive toujours à l'aboutissement. Pourquoi? Parce que celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Vous ne comptez pas sur votre poche pour réaliser vos projets. Vous comptez sur la provision de Dieu, sur la poche de votre Père, parce qu'en réalité, on n'est rien, on n'a rien. C'est Dieu qui a tout. La provision du ciel est la plus importante. Je ne commence pas les projets en regardant la conjoncture financière de ma nation ou bien la crise économique du Cameroun. Non, il n'y a pas de crise économique au ciel. Il faut que nous apprenions à investir en nous appuyant sur l'économie céleste, l'économie du royaume des cieux, la Nouvelle Jérusalem, où il n'y a pas de crise économique. C'est important de le comprendre ainsi. Donc, nous avons lancé, pendant la COVID-19, nous avons lancé le projet de la maison de Dieu et nous avons fini. En 3 mois, on avait fini de bâtir la maison de Dieu. Mais les finitions, après cela, on a été bousculé, tout a basculé avec le départ de Momi, Shalom et Canet. Et là, on a les finitions que nous avons à faire. Et nous avons déjà commencé. Vous savez, je commence toujours avant de parler. Parce que c'est important pour moi. L'œuvre de Dieu, je commence d'abord moi-même à faire ce que je peux faire. Mais il faut que vous compreniez une chose. Ne te sens pas étranger par rapport à l'œuvre de Dieu. Nous, les chrétiens, on a encore beaucoup à apprendre dans l'œuvre de la bonne volonté vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Nous avons commencé cela. On a commencé à faire les carreaux. La semaine prochaine, on va finir de mettre les carreaux. Dans toute la salle, nous avons des appartements et la salle de conférence, des bureaux que nous allons faire là. Parce que bientôt, je vais reprendre à accueillir les gens. Et après cela, je vais faire des appartements meublés pour tous nos partenaires internationaux. Tous ceux qui voudront venir nous rendre visite. Il y aura des appartements meublés. Vous venez, et on vous reçoit là-bas. Il y a un service traiteur avec vous. Il y a un service de restauration avec vous. On vous sert, on fait votre lit. Dans tous les cas, vous sentez comme dans un véritable hôtel. Avec le petit déjeuner, le repas de midi et du soir. Dans tous les cas, vous serez à votre aise. Vous voyez, donc c'est important. Il y a cet esprit d'excellence que nous voulons lancer. Et on va faire cette dalle, on va faire la dalle. Dieu nous aidera, vous verrez ce que nous allons faire. Avant la fin de l'année 2022, nous serons très loin, par la grâce de Dieu. Donc, je voudrais vous montrer un secret dans la Bible, un grand secret, qui s'est déroulé du temps de Moïse, du prophète Moïse. Quand vous lisez Exode chapitre 35, Exode 35. Donc, retiens déjà que n'attends pas posséder tout l'argent du monde pour lancer un projet ou bien pour soutenir l'œuvre de Dieu. Non. Commence par la foi et Dieu achèvera. Tu verras, tu ne t'arrêteras pas. Ça commencera et ça finira. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est l'alpha et l'oméga. Commence avec lui et tu achèveras toujours tes projets. Alors, lorsque vous voulez regarder le budget, vous ne vous en sortirez jamais. Vous n'aurez jamais de bonne volonté. Or, pour réussir, il faut la bonne volonté, pas l'argent, mais la bonne volonté. Lorsque vous avez la bonne volonté, vous avez la motivation, vous pourrez réaliser ce qu'un millionnaire réalise, un multimillionnaire ou bien milliardaire réalise, juste avec la bonne volonté. C'est un secret de la vie que je vous donne. Exode chapitre 35, on commence à partir du verset 1. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. Verset 5,
Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Vous voyez. Donc Moïse parle de tout homme dont le cœur est bien disposé, la volonté. Vous ne pouvez pas soutenir l'œuvre de Dieu si vous n'avez pas la bonne volonté. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Mais cependant, pour donner pour la maison de l'Éternel, ne pas avoir la bonne volonté. Tu ne peux pas faire quelque chose sans la bonne volonté. Voilà pourquoi Moïse dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. L'offrande doit être prélevée dans ce que l'Éternel te donne, dans ce qui t'appartient. Tu ne dois pas aller emprunter pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas aller voler pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas aller te prostituer pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas aller frapper un homme pour soutenir un homme de Dieu. Tu ne dois pas aller faire la fémania pour soutenir l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se soutient par la bénédiction que Dieu t'a donnée. Tu tires de la provision que Dieu te donne. Donc je répète encore, tu ne dois pas te prostituer pour venir soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas aller t'endetter pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne dois pas aller voler pour soutenir l'œuvre de Dieu. On ne soutient pas l'œuvre de Dieu avec les dettes, ou bien avec le vol, ou avec la fémania. Si tu n'as pas, dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas. Tu sais que j'ai la bonne volonté, mais je n'ai pas. Seigneur, bénis-moi et je le ferai. Donc, tu ne dois pas aller, tu ne dois non plus te sentir frustré parce qu'on demande de donner, que tu vois les gens donner, que toi tu ne donnes pas. Non, dis à Dieu, je n'ai pas. Si tu m'avais donné, j'aurais soutenu ta maison, j'aurais soutenu ton œuvre. Donc, vraiment, moi, je n'ai pas honte si je ne peux pas soutenir l'œuvre de Dieu parce que je n'ai pas les moyens et que je vois ce qu'ils ont les moyens de faire. Non, il faut savoir que, oh, c'est à certaine époque, on n'avait pas les moyens et Dieu les a visités. Et donc, c'est le moment et l'occasion pour toi de faire une alliance avec Dieu. De dire à Dieu, Seigneur, regarde comment mes frères vont. Parce que tu les as bénis. Bénis-moi aussi et je serai un bâtisseur et un bienfaiteur. C'est plutôt mauvais lorsque Dieu t'a béni et tu refuses de te lever pour soutenir l'œuvre de Dieu. Lorsque tu peux donner et que tu ne donnes pas. Lorsque Dieu sait ce que tu es capable de faire, mais que tu ne fais pas. Lorsque tu ne fais pas à la hauteur de ce que Dieu attend que tu fasses à cause de la provision que lui sait qu'il t'a donnée. Donc, c'est ça qui est important. Donc, Moïse donnera un commandement qui est important pour nous encore aujourd'hui. Il dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Vous voyez, premièrement, tu dois prendre dans ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné, il faut donner à Dieu. C'est un secret que je te donne. Si Dieu a donné, il faut donner. Vous voyez, parfois, on a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas encore ces mystères-là. Mais il faut savoir qu'il y a des lois que vous respectez et vous êtes bénis. Et généralement, les gens doivent savoir qu'en ce qui concerne la bénédiction financière, la bénédiction matérielle, en ce qui concerne le matériel et le financier, la prière ne suffit pas. La chose la plus fondamentale, la chose la plus importante, c'est le donner. Parce que c'est la loi des semences et de la moisson. Vous comprenez? C'est la loi des semences et de la moisson. Jésus-Christ dans Luc chapitre c'est Luc 6, 32, 38, il dit, didoni, kae didotesetai humin, donnez et il vous sera donné. Vous voyez. Il ne dit pas priez et vous sera donné. Et c'est là que beaucoup de chrétiens échouent. J'aime mal lorsque je dis ça. J'ai l'habitude de dire qu'en début de cette année, j'ai rendu ce témoignage. Je ne rends pas mes témoignages pour me vanter, pour montrer que je suis meilleur que quiconque. Non, c'est pour vous motiver, vous montrer comment ça marche. Mommy et moi, nous avions dans notre parking, je pense, près de 6 voitures qu'on a offertes. On a offert à tout le monde. On a donné. On est resté avec une seule voiture. Vous voyez. Vous ne pouvez pas faire cette chose-là si ce n'est pas la bonne volonté et une bonne raison, une bonne motivation. Une bonne motivation, vous ne pouvez pas le faire. On a offert des voitures de valeur. On a offert tout ça en sacrifice et en offrande à l'époque. Nous, on le faisait pour une raison personnelle, pour nous deux. On l'a fait. Voilà pourquoi j'ai dit que Dieu ne peut pas ne pas me bénir parce que j'ai compris et j'ai investi. Et j'ai investi pour sa maison, pour son œuvre et dans la vie des gens. Donc pour moi, donner, c'est comme une maladie. Parfois, je me souviens à certaines époques de ma vie, j'étais plutôt en train de prier que Dieu m'apprenne à ne pas donner. J'ai prié, ça c'est vrai. Que Dieu m'apprenne à ne pas donner parce que tellement je donnais que finalement, je m'oubliais moi-même, vous voyez. Donc, il dit, Didomi, Kajidote, Setaï, Romin, donnez et il vous sera donné. Donc, la loi de la bénédiction financière, c'est le donner. Voilà pourquoi Moïse demande au peuple de prélever dans ce qui lui appartient. Il dit, donnez.
Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Donc, si tu es chrétien, dans ce que tu as, tu ne peux pas prendre pour donner une offrande à l'Éternel, c'est un problème, bien-aimé. C'est que ce Dieu-là te vaut quoi? Il te coûte quoi? C'est un peu ça. Moi, je ne comprends pas comment un chrétien ne peut pas faire des sacrifices. Faire des offrandes sacrificielles. Parce qu'il y a offrande, il y a offrande sacrificielle. C'est deux choses différentes. Il y a offrande, il y a offrande sacrificielle. Moi, je bénis Dieu pour le docteur Tchale Somba. Et il faut dire que c'est une grosse perte pour l'Église. Parfois, lorsque je suis seul et que je pense à ces grands hommes de Dieu que nous avons perdus, j'ai mal dans mon cœur. Quand je pense au docteur Tchale Somba, j'ai mal. Et il faut dire qu'aujourd'hui, tous les hommes de Dieu, dans les églises desquelles il y a des bien-aimés qui ont été formés par le docteur Tchale Somba, ces hommes de Dieu-là n'ont aucun problème avec ces brebis. Je prends mon exemple à moi-même. Je prends cet exemple sur moi-même. Les enfants du docteur Tchale Somba qui sont à Réma aujourd'hui, on ne leur enseigne pas à donner. C'est des gens qui font des sacrifices. C'est des gens qui font des sacrifices extraordinaires, énormes. Pourquoi? Parce que le docteur Tchale Somba avait enseigné sur le donner sacrificiel, l'offrande sacrificielle. Pas seulement l'offrande. Parce que l'offrande, tout le monde peut la faire. Mais l'offrande sacrificielle, c'est ceux qui ont vraiment une bonne raison, qui ont la bonne volonté, une bonne motivation. Tout le monde peut prendre n'importe quoi dans ce qu'il possède et qui ne coûte rien. Mais l'offrande sacrificielle, c'est prendre vraiment votre fortune pour la mettre au service de l'œuvre de Dieu. Voilà, c'est ça la réalité. Et ça, les fils de Vaille racontent, les enfants de Vaille racontent, sont spécialisés dedans. Mais ça coûtait la renommée du docteur Tchale Somba à l'époque. Ça coûtait sa réputation. Les gens l'ont insulté d'escroc. Les gens l'ont insulté de bandit, etc. Mais aujourd'hui, les pasteurs ou les enfants du docteur Tchale Somba se sont réfugiés, vivent bien. Ils en profitent énormément. Mais ils ne disent pas que non, on combattait votre papa. Que non, c'est un mauvais enseignement. Quand les brebis apportent, on prend. Il faut savoir que lorsque Dieu suscite un homme pour enseigner au peuple la loi du donner, la loi de l'offrande, la place que l'offrande occupe dans le cœur de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans la maison de Dieu, ce n'est pas seulement pour cet homme de Dieu, c'est pour l'Église tout entière. Ce n'est pas seulement les brebis de Réma qui m'écoutent pendant que j'enseigne. C'est aussi vos brebis qui écoutent, c'est ça la réalité. C'est pour l'Église que nous faisons cela, c'est pour l'Église de Dieu. C'est pour la maison de Dieu, pas pour notre dénomination, pour la maison de Dieu que ces enseignements sont donnés. Donc il y a des brebis ici qui m'écoutent, qui vont aller pratiquer ça avec leur pasteur là-bas. Et c'est leur ministère qui avanceront, pas notre ministère. C'est ça la vérité. Il faut que les gens comprennent cela. Moïse demande au peuple de prélever une offrande à l'Éternel. Bien-aimé, voici la maison de Dieu. J'en appelle à quelqu'un qui a la bonne volonté. J'en appelle aux premières 2000 personnes qui vont se lever ce matin pour dire, je veux faire OM. J'ai affiché le numéro et il y a un autre numéro que je vais donner ici. Mon objectif, c'est que nous finissions de mettre les carreaux dans cette maison de Dieu avant le 31 décembre. Que l'extérieur soit arrangé. Parce que l'extérieur, c'est encore de la terre. On va mettre des pavés ou bien des carreaux à l'extérieur, mettre un petit jardin de fleurs, etc. Que le 31 décembre, tout ceci soit achevé. Et je veux que tu sois participant. Que nous nous levions comme un seul homme. Donc, je vais donner le numéro tout à l'heure et le nom, quelques noms aussi. Donc, il dit, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Donc, l'offrande doit être prélevée sur ce qui t'appartient. Tu ne voles pas. Tu ne prends pas dans ce qui appartient à quelqu'un. Tu ne vas pas t'endetter pour donner l'offrande à l'église. Non. Ce qui t'appartient, c'est important. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel. Point. Deux points. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Donc Moïse lui-même sait que le peuple tout entier ne réagira pas à l'appel de Dieu. C'est la même chose aujourd'hui. C'est ceux dont le cœur est bien disposé. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrant à l'Éternel. Donc ça, c'est important. La disposition du cœur dans l'œuvre de Dieu, c'est très important. C'est pour cela que parfois en assemblée, vous verrez que quand je suis le fond, il y a des gens qui sont assis. Ce n'est pas tout le monde qui est assis parce qu'il n'a pas. Il y en a qui ont, mais qui en réalité n'ont pas la bonne disposition du cœur. Ouais. Et même parfois, il y a même certains qui ont la bonne disposition de cœur, mais que Dieu n'agrée pas leur offrande. Dieu lui-même ne veut pas qu'il se lève pour soutenir sa maison. Donc, on doit s'estimer heureux de se lever, de donner une contribution pour l'œuvre de Dieu. Et on est heureux.
Il faut s'estimer heureux. C'est une faveur que Dieu nous fait. Vous comprenez? Jésus a dit, nul ne s'approche à moi si le Père ne l'attire. Donc, prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour les parfums odoriférants, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, la tente et sa couverture, les agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et les barres, le propitiatoire et les voiles pour couvrir l'arche, la table et ses barres, et tous ses ustensiles et les pains de proposition, les chandeliers et les ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et les parfums odoriférants, et les rideaux de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres, et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases, et les rideaux de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leurs cordages, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour les sacrificateurs Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit à la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Verset 21. Écoutez bien, nous sommes enfants de Dieu. C'est la parole de Dieu. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Voyez. Il dit, tous ceux qui furent entraînés par le cœur. L'œuvre de Dieu, c'est le cœur. Si quelqu'un ne porte pas l'œuvre de Dieu à cœur, tu vas avoir une chaise cassée, tu as le moyen de remplacer la chaise dans ton église, tu ne le feras pas. Tu peux t'asseoir là, tu es millionnaire, tu vois comment l'eau suelle sur le toit de ton église, tu vas esquiver. Si tu ne portes pas à cœur la chose, nul ne peut contribuer pour l'œuvre de Dieu s'il ne porte pas cette œuvre-là, comme si c'est à lui seul que Dieu avait confié cette œuvre. Tu ne peux pas. Bien-aimé, j'ai dit qu'un homme qui n'aime pas une femme ne peut pas investir pour elle. Une femme qui n'aime pas un homme ne peut pas se lever le matin pour lui faire le petit déjeuner ou bien pour préparer pour lui, pour laver ses vêtements et ses sous-vêtements. Ce n'est pas possible. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on aime. Quand on a l'élan du cœur, lorsqu'il y a l'amour, il y a le sacrifice. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté, dont la bonne volonté vient du cœur, bien-aimé, ceux-là apportaient une offrande à l'Éternel pour son œuvre. Ouais. Donc c'est ça que les gens doivent comprendre. Et laissez-moi vous montrer 5 points que j'ai notés. 5 points. 5 points qui concernent Dieu. Et vous devez comprendre, avant de revenir sur ces 5 points concernant Dieu, l'offrande et son peuple, vous verrez que tous les besoins de Dieu reposent sur son peuple. L'œuvre de Dieu est faite par Dieu, mais à travers les hommes. Et ces hommes-là, c'est toi, c'est moi. Il faut savoir cela. Dieu ne descendra jamais sur place pour apporter l'eau, dans l'argent ou bien de l'or dans un plateau. Et c'est là que les gens ne comprennent pas l'utilité de l'offrande dans l'église, les diverses offrandes. En fait, lorsqu'il y a un besoin dans l'œuvre de Dieu, Dieu pourvoit à ce besoin en bénissant des hommes dans son œuvre qui à leur tour bénissent l'œuvre de Dieu. Donc c'est comme un cire. Il faut que vous sachiez cela, bien-aimé. Lorsque dans une assemblée, ton pasteur se lève parce qu'il y a un besoin, on veut construire une chapelle, c'est pour la gloire de Dieu. Par exemple, la Bible que nous avons construite, je ne veux pas mourir parti avec. On ne va pas m'enterrer avec. Non, ça n'entre pas dans mes patrimoines personnels. C'est l'héritage de l'Église. Après moi, je ne sais pas ce que ça va devenir. Je ne sais pas ceux qui vont diriger le prochain superviseur général de ministère. Je ne sais pas ce qu'il fera, quelle vision il aura. Je ne sais pas à quoi cette Église ressemblera après ma mort. Il faut que les gens comprennent cela. Mais ce que je peux faire, je le fais de mon vivant. Ce n'est pas un héritage familial là-bas. Ce n'est pas comme ma maison. Ce qui est dans ma maison m'appartient. Personne ne viendra revendiquer cela demain.
Mais l'église, c'est le patrimoine de tout le monde, de tous les adorateurs. Après moi, on ne va pas mettre un scellé là-bas que les gens viennent adorer parce que vraiment, le prophète Kane est mort. Non, je vais mourir. Ça, c'est clair. Un jour, je m'en irai. Mais ça va rester. Donc, il faut que les gens comprennent que si un homme de Dieu n'a pas la passion pour Dieu, il ne peut pas construire l'église. Un homme de Dieu qui n'aime pas l'œuvre de Dieu, qui n'est pas là pour une bonne motivation, ne peut pas enlever des centaines de millions pour construire l'église. Non, il va construire sa maison, il va construire des hôtels, il peut construire des immeubles en location. L'argent que nous avons mis à la bire aurait construit au moins 3, 4 grands immeubles en location. Il faut que les gens comprennent. Lorsque vous voyez un homme de Dieu construire une chapelle à Dieu, comprenez que c'est un visionnaire. C'est une personne qui aime l'œuvre de Dieu. C'est une personne qui se soucie pour les brebis. Je me souviens, je vais vous montrer un exemple. À l'époque, au début, dans les années 2012, j'avais acheté, 2014, non, 2012, j'étais en train de projeter, acheter un terrain pour l'église. J'ai reçu un homme de Dieu chez moi et nous étions en train de discuter ensemble. Lorsqu'il m'a expliqué, je lui ai dit que, je suis en train de vouloir acheter le terrain pour l'église, pour construire l'église. Il m'a posé la question de savoir, tu es malade, tu es fou. On t'a dit que ces gens-là dorment dehors. Toi, tu as pitié d'eux. Hein? Prends soin de toi. Construis ta maison d'abord. Prends soin de toi d'abord. C'est ça le plus important. Ça a été comme une onde de choc pour moi. Vous comprenez? Et depuis ce temps, lorsque cet homme de Dieu s'est séparé, je l'ai évité jusqu'à aujourd'hui, depuis 2012 jusqu'à cette année. Donc, pour vous dire quoi? Après ça, je suis allé acheter d'abord le terrain de l'église. On aurait construit à Ebogo et depuis 2014. Si le terrain, on n'était pas au tribunal, avait des problèmes, et des problèmes d'escroquerie et tout ça, de mauvaise foi et tout ça, même en fait, Radio Bonne Nouvelle, nous avons versé de l'argent pour acheter le terrain. Après ça, il y a eu de la mauvaise foi et tout. Je n'ai pas voulu faire des problèmes tout simplement. C'était un projet de plus de 70 millions, le terrain seulement. Donc nous avons fait cela, mais on a eu tellement de problèmes qu'ils ont retardé, mais Dieu sait ce qu'il fait. Et lorsque nous avons acheté le terrain même de la bire là-bas, ce n'était pas le terrain de l'église. Ça, c'est un terrain que moi-même j'ai acheté avec mon ami à l'époque, parce qu'on voulait lancer un collège là-bas. C'est dans une vision que le Seigneur me dit, bâtis-moi une maison là-bas. Parce que dans ma tête, c'était trop loin. Parce que ce n'est même pas dans Yaoundé, c'est hors de la ville. C'est sur la route de Bertois, c'est à Ebonne Maison. C'est dans la vision que Dieu me dit, bâtis-moi. Bâtis-moi ma maison là-bas. Et donc, je vais demander à Momi que, s'il te plaît, voici la vision que j'ai eue. Est-ce que tu permets que ce terrain-là, on puisse l'offrir à l'Éternel? Elle a dit, d'accord. Voilà comment on a bâti l'église là-bas. C'est un terrain que nous avons acheté nous-mêmes. Vous comprenez? Donc, pour dire que si un homme de Dieu n'a pas l'œuvre de Dieu, le fardeau de l'œuvre de Dieu, il ne peut pas construire une église. Il ne peut pas. L'argent-là, il peut faire autre chose avec. Il peut s'acheter des voitures. Il y a tellement de choses qu'il peut faire avec. Mais voir quelqu'un qui construit une église, il faut qu'on voit c'est quelqu'un qui a le souci des brebis. Il a le souci de donner un cadre bien pour les brebis. C'est un signe de responsabilité. C'est un signe de maturité dans le ministère. Il faut que les gens comprennent cela. C'est important. Vous voyez. Donc maintenant, il y a 5 choses que je voudrais partager avec vous en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, la volonté et Dieu et les besoins de la maison de Dieu. D'abord, il faut savoir que dans tous les âges, Dieu a toujours fait reposer les besoins de sa maison et de son œuvre sur des hommes qui avaient la bonne volonté. Comprenez cela. Dans tous les âges, Dieu a toujours fait reposer les besoins de sa maison et de son œuvre ou bien de ses serviteurs sur son peuple. On ne va pas aller demander aux bœufs ou bien aux ânes des offrandes pour bâtir l'œuvre de Dieu. Lorsque vous regardez, par exemple, dans les 12 tribus d'Israël, la tribu de Lévi, qui appartenait à l'Éternel, qui était l'héritage de l'Éternel et dont l'Éternel était l'héritage, qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que les 11 autres tribus doivent travailler et elles doivent se charger de nourrir Lévi. Donc le besoin de Lévi, qui est serviteur de Dieu, c'est les 11 tribus, c'est le peuple d'Israël qui devait résoudre leur problème. C'est pour cela que lorsque Dieu a voulu bâtir le tabernacle, il a dit à Moïse de demander au peuple, parce qu'il savait qu'il a béni le peuple. Donc Dieu bénit le peuple et en retour le peuple bénit la maison de Dieu. Et le tabernacle a été construit exclusivement avec les offrandes qui venaient du peuple. Ce n'est pas la famille de Moïse qui a bâti le tabernacle. Parce que c'est quelque chose qui aurait coûté des milliards. Il fallait de l'or, il fallait de l'argent, il fallait du bronze, il fallait de l'airain, il fallait des tissus de qualité, des pierres précieuses. Or Moïse n'avait pas ces choses, mais Dieu avait assez béni le peuple avec ces choses.
Voilà pourquoi Dieu demandera à Moïse de lancer l'appel au peuple. Et ceux dans le peuple qui sont reconnaissants que leur bénédiction leur vient de l'Éternel, ceux-là se sont mobilisés. Et l'œuvre de Dieu a été résolue. Maintenant, j'ai expliqué que quand vous lisez le livre des juges, et vous étudiez l'histoire de Déborah, la juge Déborah, c'est là que vous découvrirez, comme moi, que Dieu a des problèmes. Dieu aussi a des problèmes. Comme tu as des problèmes, Dieu aussi a des problèmes. Donnez un exemple. Le Seigneur m'a dit de construire une maison. Dieu m'a dit de construire une maison pour lui, dans une vision. Et j'ai vu la chapelle construite comme elle est exactement. Comme elle est exactement. Que l'Éternel est vivant, notre Dieu. Son omniscience est redoutable, notre Seigneur. Nul n'est comme lui, nul n'est semblable à toi, Seigneur. Mon âme s'humilie devant toi. Seigneur, tu aideras. Bien-aimé, comme vous voyez l'église là, j'ai vu ça avant qu'elle ne soit construite en vision. Deux fois, Dieu m'a dit, vas-y. Maintenant, vas-y. Quand Dieu dit, vas-y, Dieu sait que dans son peuple, il y a Jacqueline, il y a Jean, il y a Pierrette, il y a Chanceline, il y a Rosine, il y a Emmanuel, il y a tel que j'ai béni. Lance l'appel, ils construiront ma maison. Donc les besoins de Dieu, il les a toujours posés sur son peuple. À chaque fois que Dieu a un problème, c'est vers son peuple qu'il a demandé à ses serviteurs de se retourner. Il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas vers les païens. Et Déborah, lorsque Dieu lui dit d'aller renverser Sisera, elle va mobiliser toutes les villes d'Israël. Elle va aller à Méroz pour demander aux habitants de Méroz de venir se joindre à l'armée d'Israël pour aller combattre les ennemis de l'Éternel. Et ils ont refusé. Les habitants de Méroz ont dit, jamais, nous on ne va pas avec vous. Et Déborah est partie. Méroz n'est pas partie. Lorsque Déborah est rentrée victorieuse, la parole de l'Éternel lui a été adressée, va et maudit Méroz et ses habitants. Et Déborah est retournée à Méroz. Qu'est-ce qu'elle a dit à Méroz? Elle a dit, maudissez Méroz. Maudissez Méroz. C'est dans Juges chapitre 5, verset 23. Juges chapitre 5, verset 23. La Bible dit ceci. Maudissez Méroz, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez. Maudissez ses habitants. Car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel, on ne dit pas que l'Éternel vint pas à leur secours. Ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. Ils ont refusé de participer à l'œuvre de Dieu. Dieu avait un problème. Dieu avait besoin qu'on le secoure. Dieu avait besoin de délivrer son peuple de son ennemi. Et il avait besoin des hommes qui se lèvent, des hommes qui puissent se tenir pour l'Éternel, à l'Éternel, à l'Éternel. Des hommes qui disent, ma vie, je la mets en danger pour l'Éternel, pour débarrasser l'Éternel de son ennemi. Dieu avait besoin des hommes qui puissent se lever pour débarrasser son peuple de ses ennemis. Mais Méroz a refusé de s'allier au peuple. Et Dieu a maudit Méroz parce qu'il ne vint pas au secours de l'Éternel. Donc lorsque Dieu a un besoin, il est en détresse. Tu dois voler au secours de l'Éternel. Ouais, c'est important de le savoir. Donc si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons nous retrouver dans la mentalité rétrograde et satanique et diabolique, infernale, selon laquelle donner l'offrande à Dieu, bien demander l'offrande, c'est l'escroquerie. Fondamentalement, quelqu'un qui dit être chrétien ne peut pas tenir tel langage parce qu'il sait clairement que voilà l'œuvre de Dieu. Et en plus, il faut savoir une chose. Vous avez des hommes de Dieu aujourd'hui. Nous sommes très jeunes. Hein? Ce que nous faisons là, beaucoup de nos parents n'ont pas fait ça. Il y a des ministères qui ont 30 ans, 50 ans aujourd'hui, qui n'ont pas une chapelle comme la Bible, qui n'ont pas de radio, qui n'ont pas de télévision. C'est ça la vérité. Je vous dis la vérité. Dans ce pays et dans d'autres nations. Donc, voir des ministères qui ont 8 ans, qui ont déjà des télés, qui ont des radios, qui construisent des églises dans d'autres villes, qui ont des chapelles comme celles que nous avons bâties, il faut comprendre que si Dieu nous donne 50 ans de vie, nous allons saturer l'Afrique et le monde entier avec des édifices. Il faut comprendre qu'un escroc ne fait pas ça. Il faut comprendre que quelqu'un, un leader qui ne pense qu'à lui, ne peut pas faire des choses comme celle-là. Non. C'est des hommes de confiance qui peuvent investir dans l'œuvre de Dieu. Parce que cet investissement, c'est pour le peuple.
C'est l'héritage du peuple. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Et aucun homme de Dieu n'emportera son église après lui. Regardez les mecs aujourd'hui, ce qui s'est passé. La CMC y est, vous voyez? Donc c'est le patrimoine de tout le monde. C'est pour nous tous. Même ceux qui contribuent, après leur mort, leurs enfants viendront adorer là-bas. On ne leur demandera pas que tu dois payer ou tu n'as pas contribué. Ou bien, oh non, non, c'est notre maison à nous tous, la maison de Dieu. Donc, celui qui bâtit l'œuvre de Dieu fait du bien à lui-même. Il y a sa progéniture. Vous comprenez? Maintenant, regardez mes amis. Il faut savoir que ce qu'une personne ne peut pas faire, 1000 personnes le feront facilement. La Bible dit que la corde à trois brins se rompt difficilement. Hein? Si nous nous unissons, regardez les musulmans, c'est ce que je vous ai dit hier. Regardez les musulmans, vous avez vu quelle mosquée qu'on a commencé à construire qui n'est pas achevée. Or, c'est chez nous qu'on voit les églises. On commence à construire l'église. L'église est tôlée, ce n'est pas crépi, il n'y a pas de fenêtre. Les gens font le culte là-bas, le sol n'est même pas dallé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Personne ne se lève pour dire que cette erreur doit s'arrêter. Moi, je vais changer les choses. Non. Moi, j'ai dit une chose. À vrai dire, je vous dis la vérité. La chapelle que nous sommes en train de construire ici, je voudrais apporter une touche là-bas qui va montrer un peu que l'excellence, nous chrétiens aussi, on peut être excellent. Les gens sont trop méprisés, insultés, c'est-à-dire marginalisés, et embrigadés dans la médiocrité. Il est temps que nous nous levions pour faire quelque chose que, quand quelqu'un arrive dans l'église et demande que ça, c'est quel genre d'église comme ça. On peut le faire. Bien aimé, on peut le faire, sincèrement. Regardez les mosquées. Regardez les mosquées. Vous voyez les mosquées, il y a l'or. On met l'or là-bas, on fait tout. Pourquoi on ne peut pas aussi faire ça? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Mais c'est ça mon fardeau. Et ma prière devant Dieu, c'est qu'avant le 31 décembre, l'église là soit extraordinaire. Non, non, qu'elle soit extraordinaire. Nous avons enfin une société qui peut produire, nous livrer le nombre de carreaux que nous voulons. Et nous sommes en train de le faire. On va carreler l'intérieur, l'extérieur, on va mettre des fleurs, etc. On va continuer les travaux, arranger, soit en sorte que ce soit un endroit viable quand quelqu'un arrive vraiment, il n'a plus besoin de rentrer chez lui. Les gens peuvent venir faire leur retraite spirituelle là-bas. C'est important de donner de l'importance à l'œuvre de notre Dieu. C'est notre Père. Relevons le défi, bien-aimé. Donc, ce sont les voitures que c'est l'escroquerie. D'ailleurs, ceux qui crient que c'est l'escroquerie, eux, ils ont donné combien? Ils donnent combien? Ils sont même où? C'est même qui? On ne les connaît pas. Dans leurs églises, certainement, ils sont ceux qui insultent leur pasteur, médisent leur pasteur ou bien intoxiquent les gens dans les églises, etc. Parce qu'ils veulent que l'église demeure dans la pauvreté ou bien dans cette image de médiocrité. Non. L'image, c'est important. L'image que nous avons, c'est important. Il faut que quand tu invites ton frère ou bien ton patron dans ton église, vraiment qui t'avait une bonne impression de toi et de ton pasteur et de ton Dieu. C'est de ça qu'il est question. Quand vous arrivez dans une mosquée, vous sentez que Dieu est présent. Parce que vous êtes influencé par le décor, le luxe qu'il y a, la beauté, l'excellence qu'il y a là-bas. Les chrétiens vont se réveiller quand? Et lorsqu'on lance le défi pour une mosquée, c'est tout le monde qui se lève. Mais nous chrétiens, dès que vous avez vu quel imam se lever à la construction d'une mosquée, il dit qu'on veut 1 million, 10 millions, celui qui veut donner comme ça donne. Et les gens disent que c'est l'escroquerie. Ça ne passe même pas dans l'esprit du musulman. C'est dans l'esprit des chrétiens. Ça montre la mentalité rétrograde dans laquelle nous sommes. C'est chez nous qu'on voit que quand un homme de Dieu se lève, il dit aux francs, vous savez combien les musulmans investissent pour leur œuvre? Vous savez, on a quoi? Vous n'avez qu'à regarder. C'est même pour ça que les musulmans disent que les chrétiens disent que Jésus-Christ, c'est Isaac. Isaac, c'est lui l'héritier. Eux, c'est Ismaël qui est le rejeté. Pourquoi donc eux qui n'ont pas Dieu sont plus bénis que nous? Posons-nous la vraie question. Vous avez vu quel musulman, dans quel Facebook, tout Facebook, allez parcourir moi Facebook. Vous avez vu déjà quelle publication d'un musulman qui dit qu'un imam est escroc parce qu'il a demandé qu'on suscite les fonds. Il a demandé la zakat. Vous savez que les musulmans payent la dîme fidèlement. La zakat, ce qu'on appelle la zakat, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Vous savez que les musulmans pratiquent la zakat, qui donnent la zakat dans les mosquées, et qu'ils pratiquent aussi la zakat sur les pauvres. Vous avez vu quelle publication, quel débat musulman où on dit que le musulman là, l'imam là est escroc parce qu'il a demandé l'argent pour bâtir une mosquée. Montrez-moi un débat sur Facebook où vous avez trouvé les catholiques disant que leur prêtre catholique est en train de demander l'argent pour qu'on bâtisse les chapelles et il demande les offrandes à l'église, c'est un escroc. Montrez-moi ce forum
où les catholiques débattent sur ce sujet. Montrez-moi un forum où les témoins de Jéhovah disent que leur pasteur, hein, qui ont demandé l'argent pour bâtir leur chapelle, c'est un escroc, c'est des escrocs. Montrez-moi ça. Si ce n'est pas chez les pentecôtistes. Montrez-moi ça. Même chez les protestants évangéliques. Montrez-moi un forum sur Facebook, un commentaire évangélique, où on dit qu'un pasteur évangélique, on a suscité le fond à l'église, que c'est l'escroquerie. Ça n'existe nulle part. C'est chez nous que ça existe. Montrez-moi. C'est chez nous que ça existe. Il n'y a plus ça ailleurs. Allez chez les mormons, il n'y a pas ça. Allez chez les bouddhistes, il n'y a pas ça. Allez chez les zoroastristes, il n'y a pas ça. Ça n'existe nulle part que chez nous. C'est malheureux. Montrez-moi un forum musulman où ils insultent un imam. C'est chez nous qu'on insulte les pasteurs escrocs, bandits. Allez, quand un musulman intervient, allez dans un débat où un imam prêche, allez dans les commentaires, montrez-moi les musulmans qui insultent les imams, qui sont faux enseignants ou faux docteurs ou escrocs. Tous mettent la shahada. Tous mettent la shahada. Shahadallah, ilaha illallah, shahadana Muhammad Rasulullah. Tous mettent ça. Ils soutiennent leurs imams. Montrez-moi les témoins de Jéhovah où ils enseignent, d'autres témoins de Jéhovah disent escrocs, bandits, voleurs. Ils insultent le pasteur. Montrez-moi ça. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Ce n'est que chez nous qui prétendons avoir la science de la parole. Nous, ça dit que, oh, nous sommes malheureux vraiment. Parfois tu te demandes, être chrétien, c'est un malheur ou un bonheur. C'est ça la vérité. On se demande finalement, c'est un malheur d'être enfant de Dieu. Ça dit que la méchanceté, c'est parmi les enfants de Dieu. C'est chez nous. La haine, c'est chez nous. La jalousie, c'est chez nous. Les disputes, c'est chez nous. Les divisions profondes, c'est chez nous. Les insultes. Les païens n'insultent pas comme les hommes de Dieu. Comme les enfants de Dieu. Non. Les païens, allez sur Facebook. Les païens n'insultent, comparez les injures de ceux qui, je parle de ceux qui prétendent être pentecôtistes nés de nouveau. C'est d'eux que je parle. Parce qu'ils font partie de l'église. L'église, ce n'est pas que les pentecôtistes. Il y a les évangéliques, les catholiques et tout ça. Tout ça, c'est l'église universelle de Christ. Mais je parle du côté de l'église qu'on appelle les pentecôtistes ou bien les églises réveillées. Les nés de nouveau. Il n'y a pas plus mal éduqué que les nés de nouveau sur Facebook. Il n'y a pas plus irrespectueux que les nés de nouveau sur Facebook. Il n'y a pas, c'est-à-dire que plus maîtriseur des injures que ceux qui sont dits nés de nouveau sur Facebook. Il n'y a pas des gens qui insultent des hommes de Dieu sur Facebook comme les nés de nouveau. Il n'y en a pas. Quelle honte. Mais ça n'empêchera pas que nous fassions ce que Dieu nous a envoyé de faire. Donc, bien-aimés, voici, nous avons la maison de Dieu. Nous avons tellement de choses à faire. Les travaux sont là hier. J'essaie de présenter un peu dans mon direct les travaux. Donc, je voudrais t'appeler. Il y a le numéro Orange Money là. Et il faut que les gens comprennent, je ne demande pas l'argent, les offrandes aux gens sur Messenger ou sur Facebook. C'est ici en direct. Dans mes directs et avec le numéro que je donne. Il y a tellement d'arnaqueurs sur Messenger qui vous contactent. Moi, je n'envoie pas les invitations aux gens. Dès que vous voyez le prophète Kane Ferdinand qui vous envoie les invitations, ce n'est pas moi. Dès qu'on vous demande quelque chose qui ne respecte pas la Bible, ce n'est pas moi. Il faut savoir cela. Donc faites attention. On a des numéros affichés. Il y a deux numéros que j'ai affichés. Il y a un troisième numéro que je vous donne, le 675-87-78-20. 675-87-78-20. Voilà, ça c'est le numéro de maman Mireille Rose Mousseni Otam. Écoutez bien le nom, Mireille Rose Mousseni Otam. Donc, si vous voulez envoyer, par exemple, un Western Union, envoyez en son nom. Western Union, Express Union, Oria, ou je ne sais pas, quel que soit le moyen. Le compte PayPal est fermé pour le moment. Le compte PayPal que nous avions est fermé. Nous allons ouvrir un deuxième compte PayPal, un autre compte PayPal, et je vous le communique. Donc, n'envoyez plus l'argent sur le compte PayPal. Il est fermé pour le moment. Il est annulé. Donc, vous pouvez envoyer votre contribution à maman Mireille Rose Mousseni Otam. Il y a le numéro que j'ai affiché pour OM. Et pour Momo, ce sont mes numéros WhatsApp. Tu peux aussi m'écrire là-bas pour me dire, tu veux faire une offrande spéciale à Dieu. Tu veux donner à Dieu une offrande spéciale et sacrificielle. Écris-moi immédiatement sur mon WhatsApp. Voilà. Écris directement sur l'un de mes WhatsApp. Et j'ai donné mes WhatsApp, c'est affiché là. Le premier, c'est le 692 plus 237 692 40 71 86. Et Maman Bema, écris-moi en off, s'il te plaît, écris-moi en off
sur WhatsApp. Nous allons ouvrir un numéro PayPal, une adresse PayPal pour tous nos enfants d'Europe. Tu vas gérer ce compte-là. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Donc, 692 plus 237, 692 40 71 86. Ça, c'est mon numéro OM. Donc, c'est mon numéro personnel OM. Tu peux envoyer ta contribution là-bas par OM. Et je vais te dire ce que tu vas faire tout à l'heure. Et le deuxième numéro, c'est le 672, donc plus 237, 672, 13, 03, 23. Plus 237, 672, 13, 03, 23. Ça, c'est le numéro Momo. Pour ceux qui veulent faire Momo, s'il vous plaît, envoyez, c'est aussi WhatsApp. Tu veux faire une offrande spéciale, écris-moi immédiatement. Dis-moi combien tu vas envoyer et je te dirai comment il faut faire. Maintenant, les 2000 premières personnes qui vont envoyer 5000 francs ce matin, que la grâce de Dieu te visite. Au nom de Jésus, je veux prier pour ces personnes. Les 2000 personnes. Si nous avons 5000 francs, 2000 personnes, ça fera 10 millions. Et ça va nous donner une grande avancée. Vous comprenez? Donc, les 2000 personnes qui vont envoyer 5000 francs dans les 24 heures, c'est-à-dire avant le direct de demain, je prie que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Tu peux envoyer ça parce que parfois mon compte il est bloqué. Ça veut dire qu'à un certain niveau, les frais d'envoi, quand ça dépasse le seuil, vous m'écrivez sur WhatsApp. Tu veux faire une offrande spéciale, s'il te plaît, n'écris pas un long message. Écris simplement offrande spéciale sur le WhatsApp, les deux WhatsApp que j'ai envoyés. Je dis encore, si quelqu'un vous contacte sur Messenger, c'est pas moi, quelqu'un vous contacte, vous avez mes deux WhatsApp. Hormis WhatsApp, je ne cause pas avec vous sur les offrandes. Non, sur Messenger, c'est les arnaqueurs. Vous comprenez, c'est les arnaqueurs. Donc, méfiez-vous. J'ai donné trois numéros. Il y a deux numéros affichés. Et le plus, 237, 675, 87, 78, 20. Le numéro de maman Mireille Rose Mousseni, Otamousseni avec deux S. Beaucoup font l'erreur là et elles ne peuvent pas retirer leurs offrandes. Donc, quel que soit le pays où tu m'envoies, avant que le soleil ne se couche aujourd'hui, s'il te plaît, envoie ton offrande immédiatement pour les finitions de l'œuvre de Dieu. Si, avant le 31 décembre, nous avons fini, ça sera un grand jour de fête pour nous. Que le Seigneur te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus. Tu veux faire une offrande spéciale et sacrificielle. Dieu parle à ton cœur et ton cœur a été touché. Écris-moi simplement sur WhatsApp offrande spéciale. Offrande spéciale. Et nous allons communiquer tout à l'heure. Tu me diras quelle est la somme et je te dirai comment il faut faire. Que Dieu te bénisse au nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Père, je prie pour mes bien-aimés. Suscite en eux le vouloir et le faire. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous, chrétiens, de comprendre que soutenir ton œuvre, ce n'est pas une escroquerie. Soutenir ton œuvre, ce n'est pas un malheur, mais c'est un bonheur. Mais c'est une opportunité. Père, je prie pour ceux dont tu as touché les cœurs, que le diable n'empêche point qu'il pose cet acte voulanistique. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Que cette journée soit luisante et illuminée par la présence de Dieu et que ses anges campent autour de toi pour t'arracher de tout danger au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ce vendredi, ne manquons pas Atmosphère de Miracle à Yaoundé. Ce sera le premier programme que je vais tenir en ce mois de novembre. Sois là avec ton enfant, ta famille, tout le monde. Viens recevoir une bénédiction. Nous aurons un grand service de la main de la face. Et ce dimanche, service de la main de la face.